Je devrais pouvoir pirater cette porte. Impossible de faire demi-tour une fois dedans. C'est parti. Le câble a l'air assez solide pour descendre. Ah, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Et c'est reparti! Le feu me faciliterait une chose. Un champ de force. Je dois trouver une autre route. Suffit. Je devrais pouvoir traverser. Je pirate ce nœud près du bord.
d'autres machines. Je dois trouver un moyen de traverser. Je pourrais me servir d'une de ces pour traverser. Si ces machines ne me tuent pas avant. Faut que j'arrive à passer sans force. Tout se fait transporter au bout du couloir. C'est sûrement le noyau qui fait ça. Pouvoir atteindre ces aérations. Utiliser ses bras pour traverser.
sur ce bras ne devrait pas être compliqué. Les porteurs de métal vont me faire accéder au noyau. Mais comment les atteindre ?
Je garde ça pour quand j'en aurai besoin. Arriver à grimper sur ces transporteurs de métal d'ici. Je suis arrivée jusqu'ici, je dois tenir encore un peu plus. Il va bientôt falloir que je descende de cette chose. Ces bras peuvent m'aider à atteindre le noyau. Il faut que je les atteigne. Je dois bien calculer mon coup.
J'avais jamais vu de machine stockée comme ça. Au moins, elles sont désactivées. Voilà le noyau. Maintenant, faut trouver comment y accéder. Me battre pour ces piratages. M'aider à pirater des machines dans la nature. On dirait qu'ils utilisent tout ça. Thank you.
Avec les données récupérées dans ce noyau, je devrais pouvoir pirater cette machine. Je devrais pouvoir pirater les pillards, maintenant. On dirait que les coordonnées fournies par Silence Man à cette épave, il aurait installé Hadès sur un autre titan.
suis. Ce sont les coordonnées que j'ai scannées sur la flèche. Un atelier installé sous un Horus mort. C'est pile le genre d'endroit où je m'attends à trouver Silence. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici ? Pauvre Hadès, tu es... Cet appareil clignote. Je suppose que Silence veut que je le regarde. Une sorte de journal. Une grande partie est censurée. Mais on dirait que Silence s'était forcé de faire parler Hadès. Aloy, vois ce message comme une balise qui te guidera hors du brouillard de l'ignorance. À l'aide d'explosifs, j'ai détaché l'orbe de traitement du Titan au-dessus. C'est une cage parfaite pour notre ami mutuel Hadès, afin de le rendre coopératif. Dis-lui ce dont on a parlé au sujet du mystérieux signal qui t'a donné vie. Gaïa peut être relancée. Quant à l'emplacement d'une copie, eh bien, tu vas devoir me suivre pour en savoir plus. Il est persuadé qu'il a tout compris. Pourriture. Mais je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'orbe.
voilà où j'en suis. Je suis les traces de Silence comme une idiote. Alors qu'il m'a utilisé en trafic en silence pour voler Hadès. Une IA démente qui veut détruire la vie. Ça aurait été bien trop simple de me laisser la détruire. Et maintenant, je vais encore devoir encaisser ces commentaires moralisateurs. Le gel ne lui fera pas grand-chose. Silence a l'air certain d'avoir trouvé une copie de secours de Gaïa, mais... comment ? Chaque endroit que j'ai fouillé, chaque piste, c'était toujours un échec. Toutes les copies ont été effacées. Alors qu'est-ce qu'Hadès lui a dit ? Je peux pas me débarrasser des lianes. Pas encore, du moins. Mon focus détecte une sorte de balise de position. Un marchand. Je me
m'attendais pas à trouver des gens ici. Il me sera peut-être utile pour me ravitailler. Hé là ! Qu'est-ce qu'une Nora fait aussi loin dans l'Ouest ? Ah, oublie. Je peux t'équiper pour aller dans les terres sauvages, si tu veux. Ces pattes sont conçues pour le saut. Et pour frapper avec. Bon creuset, je pourrais pas pirater cette machine. Ah.
On dirait que la piste continue dans la colline. Voyons où ça nous mène. Silence a dû se servir de cette machine pour tracter son joujou. Ça doit être l'orbe dans lequel Silence a fourré Hadès. Et cette porte. On dirait un bâtiment de Pharo. Ou d'Aube Zéro. Je ferais mieux de jeter un œil à cette orbe. T'es toujours là? Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa. Erreur, données erronées, structure de mémoire désintégrée. Bien sûr, ça aurait été trop simple. Qu'est-ce que Silence t'a fait, Hadès? C'est comme si... t'avais vidé. Silence m'a interrogé. Qu'est-ce que tu lui as dit ?
été battu à la flèche. Bon, ça ne mènera nulle part. Tu sais où est allé Silence ? Tu n'en sais pas plus que moi. Génial. Tu sais pourquoi Silence t'a amené jusqu'à ces ruines ? Silence avait prévu que tu me trouves ici même. Évidemment. Pourquoi ? C'était quoi cet endroit ? Ce lieu était le... Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Mais tu... Je suppose que je comprendrai à l'intérieur. Quand le signal mystérieux t'a transformé, il a rendu les autres fonctions subordonnées de Gaïa conscientes. Tu as fui quand Gaïa s'est autodétruite, mais elles aussi. Où sont-elles allées ? Chaque fonction a migré vers des coordonnées basées sur... Un tas d'IA démentes, éparpillées on ne sait où pour faire on ne sait quoi. Héphaïstos fait des milliers de victimes chaque année avec les machines de combat qu'il fabrique. Et tu as failli détruire le monde. Cette autre fonction en liberté qui complote, ça sent pas bon. Tu n'es pas contente. Tant mieux. On t'a déjà dit que tu avais une personnalité géniale, Hadès. Sarcasme détecté. Oui, je m'en doutais. Silence t'a interrogé au sujet du signal mystérieux. Celui qui t'a réveillé, t'a donné une conscience. Qui l'a envoyé ? Signal transmis par les maîtres. Qui sont les maîtres ? Les maîtres m'ont réveillé pour détruire toute vie sur Terre. Ça. Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Ça suffit. Il est temps d'en finir. Là, Aloy, croit-elle encore pouvoir restaurer Gaïa ? Sauver la vie sur Terre. Oui, Aloy y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hadès ? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est inexact. Fois, Hadès a détruit la vie. Quoi ? Tu te souviens de ça ? Oui, demi intacte, biosphère non viable, annihilée en l'an 2154, 2161, 2168. Et alors ? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. La biosphère actuelle est la version 5. Sauverai celle-ci. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sauveil, grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche.
Aloy. Je vois que tu t'es occupé d'Hadès. Ouais. Tu crois qu'il va rester mort cette fois? Mais oui. Tu peux me faire... Confiance? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance, j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes, fini le face à face? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça? Il y a une raison qui... Il y a le même logiciel espion, je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherche. Aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète. Ah oui, bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, j'obtiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa? Oh oui. Je crois que oui. Où ça? Mais ici. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir, sinon? Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais, dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hadès qui te l'a dit? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc, est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant 6 mois? Ou est-ce que tu vas juste rester planté là, la bouche ouverte? T'as dit que tu n'avais pas chômé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as quand même pris le temps d'apprendre aux rebelles Ténac à pirater des machines pour les monter. Aloy, la seule chose dont tu devrais t'occuper, c'est d'obtenir une copie de Gaïa. Peut-être que si tu te concentrais plus, tu obtiendrais des résultats. Je note que tu ne nies pas, Silence. Prends ça comme tu veux. Juste pour être sûr, Hadès t'a dit qu'il y a des copies de Gaïa là-dedans. Oui. Il y en avait, en tout cas. Il y a un millénaire. Des copies qui n'ont pas été effacées quand Ted Faro a supprimé toutes les copies d'Apollon. C'est ça. D'après Hadès, ce site n'était pas accessible par un signal distant. Même Ted Faro ne pouvait accéder à ces données. Des copies. Des copies complètes de Gaïa et de ses fonctions subordonnées. Tout ce qu'il faut pour relancer le système. Rétablir le contrôle de la terraformation, sauver la vie sur Terre. Là-dedans? C'est ce qu'a dit Hadès. Alors qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'Hadès a révélé la source du signal mystérieux? Celui qui l'a réveillé et tenté d'anéantir la Terre. Oui, en effet. Je peux savoir? Tu le sauras. Mais pas tout de suite, Aloy. Aux dernières nouvelles, tu avais une IA super intelligente appelée Gaïa à réinitialiser. Oui. La Gaïa qui a dû s'autodétruire il y a 20 ans à cause de ce signal. La transmission s'est arrêtée il y a des années. Ce n'est plus une menace. Et s'il recommence? Impossible. Et quand bien même il... Les détails sont compliqués, mais le signal nécessitait Hadès pour agir. Si tu supprimes Hadès de la copie réinitialisée, Gaïa ne craindra rien. Alors arrête de perdre du temps. Et va trouver une copie. D'accord. Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clairs, Silence, si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique, Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège? Si tu me trompes encore, Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand-chose à dire, puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy. Grâce à moi... Tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis 6 mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand-chose à la politesse en tant que paria d'Enora, mais dans ce genre de situation, il te faut dire merci et je te répondrai, je t'en prie.
partie scan, ne bougez pas. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. C'est une blague, là. On dirait qu'on a de la chance. De la chance? La porte est complètement foutue. En effet. Mais malgré le problème, tu pourras quand même entrer. Si tu patientes encore un peu. Tu vois ces cristaux, là? Les Oceram les appellent les flammes gemmes. Ils sont inflammables. Ça ne suffira jamais à faire sauter une porte de ce type. Mais ça suffira peut-être à l'ouvrir un peu plus. Exactement. Ça ne marche qu'avec un igniteur. Je t'envoie les schémas tout de suite. Pour le fabriquer, tu auras besoin de pièces de machine et d'huile d'algues à feu. Elles ne poussent que sous l'eau, mais tu devrais en trouver dans le lac à côté. Les pièces sont bien plus complexes. Il te faudra une bobine d'étincelle issue de la batterie d'un bondisseur. Il faut retirer la batterie avant de tuer la machine, sinon elle sera détruite. Je dirais que je possède déjà tout ce qu'il faut pour l'igniteur. Il me reste à fabriquer ce truc. Il y a un établi près de l'entrée du bâtiment. Tu t'en es servi pour bricoler Hadès ? Bricoler ? J'ai extrait des données inestimables. Entrez, je vous prie. Bon. Je crois que ça ira. Alors, vas-y. Je t'en prie. Maintenant que j'ai l'igniteur, je peux faire sauter la flamme gemme que j'ai vue. Concentre-toi sur ta mission, Aloy. Le bâtiment est inondé. Et il y a une autre porte à verrouillage. Génétique de l'autre côté. J'imagine que c'est là que sont stockées les copies de Gaïa. J'ai trouvé un moyen d'aller là-bas. Ça me rappelle quelque chose. M'aventurer dans d'anciennes ruines, pendant que tu m'espionnes via mon focus. Oublie la nostalgie et concentre-toi sur la recherche d'une copie. Un attracteur pourrait m'être utile ici.
devrais peut-être faire tomber cette échelle. Ça a marché. C'est quoi au-dessus de moi ? Cette salle. On dirait qu'une autre console aurait besoin de courant. Cette console ne marche pas. Elizabeth et Travis Tate. Ouh, je te le dis, Liz. Tu vas m'adorer après ce que je viens de faire. Je viens d'imaginer ces ordures de zénith lointain en train d'ouvrir la fosse Gaïa qu'on leur a concoctée. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est une signature. Ce n'est pas une blague, Travis. J'ai fait qu'animer deux petits avatars. Un de toi et un de moi. Pour délivrer notre message funeste de façon plus personnelle. Tu veux bien l'envoyer ? Dès que la compilation sera terminée. Ensuite, on pourra fêter ça ensemble. J'ai apporté des trucs de fête, des mini-croissants, du mousseux, des banderoles. Je retourne à Bryce dès que tout ça est terminé. Je comprends pas, Liz. Comment quelqu'un comme toi, un modèle, presque une sainte, hein, peut autant aimer le
ses habitants. Franchement, t'as déjà eu un ami dans toute ta vie? Compilation terminée. Fichier promesse stérile prêt à être transmis. Tu t'en occupes, d'accord? La bombe logique est prête. Voilà pour vous, zénith lointain. Contente-toi d'être le meilleur dans ton boulot, Travis. Je t'ai toujours admiré de loin, Liz. Je le jure sur la tombe de ma mère. Et elle était très pieuse. Travis avait tort. Elisabeth essayait de s'assurer de l'avenir de la vie. Elle se souciait de tous. Je n'en suis pas si sûr. Les gens exceptionnels mènent une vie solitaire, Aloy. Tu le sais aussi bien que moi. Voilà un autre panneau que je devrais pouvoir ouvrir. Je vais devoir grimper plus haut pour l'atteindre. Je pense pas que mon attracteur puisse s'approcher d'ici, c'est trop loin. Je vais devoir sauter. C'est trop loin pour sauter. Mais si je plane... d'ici. Il y a d'autres choses par là-bas. Je ferais mieux de jeter un œil. Je devrais pouvoir planer jusque là-bas. Y a quoi là-dedans? Une autre porte verrouillée.
C'est quoi cette console à côté ? Merde, Travis, on est à quelle puissance là-bas ? En dehors du champ de réduction de bruit ? 150 décibels ? On est tranquille alors. C'est quoi le problème, dis-moi ? On se connaît depuis un bail. Mais je t'avais jamais vu trahir quelqu'un. Pourquoi Zénith lointain ? J'allais t'en parler. Ils ont leur copie de Gaïa, et moi j'ai une place à bord de l'Odyssée. Mais je leur ai dit, je veux deux places parce que j'emmène mon pote Travis. Merde, Hank ! On dirait que le champ de réduction de bruit a dérapé. Tu vas bien ? Non, ça va. J'ai un champ personnel, tu vois ? Je sais que tes oreilles sont pas en état de m'entendre, hein. Mais, tu vois le texte qui transcrit ce que je dis ? Tant mieux ! Donc pendant que je monte le son de la musique à 170 décibels, c'est t'en profiter pour me taper ce code de transmission. C'est très bien. Tout est là ? Bon. Merci, Hank. On a terminé. Sécurité ? Hank Cho est prêt à être cueilli. Non, il respire encore. Mais vous devriez apporter une petite cuillère. Des données. Travis Tate. Cet endroit a produit nombre de logiciels malveillants avant Aube Zéro. Je peux peut-être essayer mon focus. On dirait que c'est connecté à la porte. Il faut une sorte de code pour l'ouvrir. J'ai changé d'avis, Tilda. Aube Zéro a sa chambre d'ectogénèse. Zénith lointain a besoin d'Apollon. Il n'y a aucune raison que cet incident... Vous avez essayé de voler, Gaïa. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Et tu as déjà puni les responsables. À cause de ta bombe logique, ils vont devoir restaurer les systèmes vitaux. Je suis vraiment censée croire que tu n'avais rien à voir là-dedans. Je t'en prie, Liz. Les chances de survie de l'humanité sont déjà faibles. Même si tu n'approuves pas notre plan... Nous serons peut-être les seuls à survivre. Tu ne veux pas qu'on ait Apollon ? Pour nous souvenir de notre passé commun ? De nos erreurs ? Je t'en supplie. D'accord. Vous aurez votre copie d'Apollon. Merci. On se reparlera avant le... Au revoir, Tilda. Ça suffit.
Il est temps d'abandonner. Elisabeth avait l'air triste vers la fin. Je pense que c'était des problèmes personnels. En effet. Voilà la porte. Je me rapproche.
labyrinthique. Identiscan, ne bougez pas. Énorme. On dirait que l'alimentation est coupée, sauf sur cette console. C'est humide ici aussi. J'espère que l'eau n'a rien abîmé d'important. Comme la copie, par exemple. Fouille partout. Ça, c'est pour la réserve. Profil génétique confirmé. Bonjour, Docteur Sobek. Souhaitez-vous activer araignée recluse? Oui. Activation. Bon. Ça me dit rien qui vaille. Ça semble instable. Et très lourd. Sois prudente. Au moins, j'ai du courant. Et il y a des données ici. On dirait que cette araignée recluse est un dispositif de test pour Gaïa et Hadès. Je devrais me pencher sur ce dispositif d'accès. Oui. Vas-y. Bon. Je pense que ces capsules circulaires sont des sortes de dépôts. L'un est rempli de copies d'Hadès. L'autre de celle de Gaïa. Qu'est-ce que tu attends? Celui d'Hadès est descendu, mais le serveur de Gaïa est coincé. Alors, décoince-le. J'espère que tu ne l'as pas endommagé. Maintenant qu'il est en bas, je devrais pouvoir accéder à la capsule. Je commençais à m'inquiéter. Faible encombrement des données. 98% de mémoire. Ce n'est pas normal. Gaïa était une énorme super-intelligence. Elle devrait au moins... sont les sous-fonctions, mais je sais qu'elles existent. Je le sais. Celles d'origine, éparpillées aux quatre vents quand Gaïa s'est autodétruite, elles peuvent être n'importe où. Tu ne les trouveras pas à temps. Et quand bien même le signal mystérieux les a fait muter comme Hadès, tu n'as pas été... Oh, si. J'ai une idée. Si ça marche... Ça valait, là. Tu as trouvé Minerve. Mais pas connecté. Dans les montagnes. À l'ouest de Mélopée. Je peux y aller, c'est pas loin. J'espérais trouver toutes les sous-fonctions, mais... C'est déjà un bon départ, non? C'est vrai. Récupère Minerve. Et on l'utilisera pour lancer la matrice heuristique de Gaïa.
Une fois consciente, elle me fera trouver les autres sous fonction. J'irai les chercher. Et tu la reconstruiras pièce par pièce. C'est très malin. Je ne peux pas sauver le monde toute seule, alors ? Oh, oui, bon. Justement... Alerte. Intrus. Alerte. Aloy, écoute-moi attentivement. Ces intrus veulent la même chose que toi. Faire renaître Gaïa. Ils sont là pour ça. Tes amis à toi ? Non. Ils ne me connaissent pas. Le signal de données que j'ai envoyé pour dire qu'une copie de Gaïa pouvait être récupérée ici était anonyme. Ils sont très puissants, mais ils ne te feront pas de mal. Pas quand ils verront qui tu es, ce que tu es. Un clone d'Elisabeth Sobek, une clé génétique permettant de relancer Gaïa et de reconstruire le système. Ils ont besoin de toi. Je t'avais prévenu, Silence. Pour une fois, Aloy accepte l'inévitable. Ouvre la trappe. Je vais reconstruire Gaïa, sauver la vie sur Terre, puis je te trouverai pour mettre fin à la tienne. J'essaie simplement de t'aider. Essaie de m'espionner avec ça. Voilà. Un nouveau focus sans espion. Maintenant, voyons. Allez, réfléchis. Je me fiche qu'il soit puissant. Je suis la seule à pouvoir ouvrir cette trappe. La question, c'est de trouver une autre issue. Il y a du courant dans l'eau. Pas beaucoup, mais c'est peut-être une sortie. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Entrez, je vous prie. Prometteur. Beta. Est-ce qu'on l'a ? Fantastique. Le signal venait d'ici ? Quelqu'un ? Qu'y a-t-il ? Merde ! Spec, Zeta ! Ça alors. Quelqu'un sait ce qu'un clone d'Elisabeth Sobek fait ici ? Gaïa en a peut-être créé un, en s'auto-détruisant un dernier espoir pour réparer le système. Ça ne me dit rien qui vaille. Non, je n'aime pas ça, je n'en veux pas. Mais les rendre... Non, une seule c'est bien assez. Eric ? Ouais ? Tu veux bien faire un petit peu de place ? Bien sûr. Et si c'est elle qui a envoyé le signal ? Alors c'était une idée stupide. Mais on a ce qu'on voulait. Alors faisons-en bon usage. J'ai buté un paquet de gens en réalité virtuelle. Mais ce petit frisson, quand dans leurs yeux on voit que la vie les abandonne... Ouh ! Il n'y a pas un hologramme qui sait imiter ça. Continue de bavasser. Ça me laisse le temps de viser. Tu crois vraiment qu'avec cette misérable babiole primitive, tu peux me blesser ? Je sens qu'on va s'amuser. Hop.
effet sur lui. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment. Peut-être que si j'arrivais à faire tomber le processeur, je dois utiliser cette console pour y descendre. C'est censé être une arme. Allez. J'adorerais l'emmener avec moi. Arrête. Tu as senti ça? Machine débile. Tu es étrange. Tu en as besoin. Tu en as envie. Laissez t'amuser. De tuer celle que tu m'as demandé d'éliminer. La plateforme s'est effondrée, son corps est tombé avec. Bien sûr. Y a-t-il une seule chose que tu n'aies jamais obtenue, hein ? Spectre, fouillez.
trouver une issue. Là, il y a du courant. Peut-être vers une issue. Passer par-dessus. Je peux peut-être passer par-dessous. Je vais lui envoyer de l'acide. On dirait une sorte de salle d'alimentation. Le courant mène ici. C'est prometteur.
Parfait. Chut. Ça va aller. Je suis là. Je dois... Hé, doucement. Tout va bien. Juste là. Vu comme tu l'as serré quand je t'ai trouvé, je savais que c'était important. Dans un avant-poste de la tribu Utaru, à très loin de là où t'étais. Longtemps. 2 jours. Aloy. J'ai pas le temps. J'ai trouvé quelque chose. Dans les montagnes à l'ouest de Mélopée. Ouais. C'est ce que t'arrêtais pas de répéter. Écoute, Aloy, quel que soit ce que t'as trouvé, t'es pas en état de... S'il le faut, je romprai pas. D'accord, très bien. Mais avant toute chose, tu vas devoir parler à quelqu'un. Une Utaru appelée Zo. Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ces montagnes. Une grotte qui recrache des machines. C'est pas une coïncidence. Pourquoi on a besoin d'elle? Allons voir cette grotte. C'est sûr. Les territoires Utaru. Son territoire. Elle peut nous aider. Tu verras. Bien. Allons voir cette fameuse Zo alors. Comme la fleur se fane et meurt, figée dans la neige. La graine saura germer quand viendra le printemps. Zo. Elle devrait être au lit. Aloy fait rarement ce qu'elle devrait. Tu es Zo, c'est bien ça. Varl a dit que je devais te parler. À propos des machines. Dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Je suis Chantsepul. Ma place est ici. On parlera quand tu seras guéri. C'est quoi cette machine? Quoi? C'est pas une machine, c'est Ré. C'est une de nos divinités. Et elle se meurt. Ce n'est pas si simple. Elle souffre. Son état de santé ne te regarde pas. Zo. Si quelqu'un peut l'aider, c'est bien Aloy. Je peux. Ce que je m'apprête à faire peut être effrayant. Mais ça l'aidera. Balance.
On doit encore parler. Bien sûr. Mais pas ici. Les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Il y a un problème. Les Outaro ont des problèmes, partout. La Niel est dans nos champs, nos villages sont désertés. Mais la grotte dans la montagne est pire que tout. C'est un lieu sacré. Fa, une autre divinité, y est entrée il y a des semaines et n'est pas ressortie. La grotte crache des machines tueuses. On ne peut plus faire face. Ça n'était jamais arrivé. C'est pas ta première grotte sacrée. Merci de nous avoir aidés. C'est Varl qui s'est chargé de t'amener jusqu'ici. Personne d'autre ne nous aurait accueillis. Vous ne serez resté à mes côtés pendant que je m'occupais d'Aloy. Une chance qu'on t'ait croisé. Je pourrais en dire autant. J'ai l'impression que vous avez passé pas mal de temps ensemble. J'aurais préféré que tu n'aies pas à être blessé. J'espère que tu vas t'en remettre. Et vite. Tu dis que les champs et les villages de la tribu sont en danger? Oui. Nos divinités engendraient une abondance de nourriture dans les champs, mais elles sèment désormais un poison. Les Ténac se préparent à la guerre et leurs rebelles rôdent à nos frontières. Les machines sont de plus en plus agressives. Elles nous cernent et nous forcent à quitter les villages éloignés. Elles sortent maintenant de notre grotte sacrée. Beaucoup d'entre nous pensent que le temps nous est compté. J'aimerais pouvoir te dire que ça va mieux ailleurs. Mais on ne perdra pas espoir. Ré et toutes les autres machines, ce sont vos dieux? Dieu de la Terre, oui. Depuis très longtemps, ils prennent soin de nous, en semant et récoltant les champs de Mélopée. Un vrai miracle. Une source infinie de nourriture. Une ferme, avec des machines. C'est plus qu'une ferme. Une terre bénie, qui nourrissait mon peuple jusqu'au dysfonctionnement. Et qu'est-il arrivé aux dieux de la Terre, après le dysfonctionnement? Ils ont changé, peu à peu. Nous vivions en paix, mais on ne peut même plus les approcher. Ils s'en prennent à nous. Avant, ils nourrissaient la Terre, mais depuis quelques saisons, ils ne font que la saturer de paillis. Les champs ont tous pourri. Une miel qui se répand au-delà de nos terres. Avant, on avait à manger pour tous. Et maintenant, on a à peine de quoi nourrir nos jeunes. Sûrement une surfertilisation qui se propage à cause des spores. Je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque année, les dieux de la Terre visitaient la grotte sacrée, mais ce n'est plus le cas. Sans rituel de renouvellement, ils se décomposent. Comme Ré. Ils meurent. Tout comme ma tribu. Donc cette grotte est sacrée car des machines comme Ré et celle que tu appelles Fa y vont? Oui. Avant le dysfonctionnement, chacun d'eux quittait les champs pour effectuer un pèlerinage dans la grotte. Toujours dans le même ordre. Do y allait, puis Ré, puis Mi et ensuite les autres. Tous maculés de terre et de boue. Deux jours plus tard, ils revenaient, tous flambant neufs, sans une égratignure. La terre et leurs ornements avaient aussi disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des 8 fêtes sacrées de notre calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle. Oui, c'est ce qu'on pensait. Au fil du temps, les dieux ont arrêté le rituel, devenant bizarre et instable. Mais il y a 3 semaines, Fa est entrée.
La tribu tout entière a fêté ça en chantant, priant pour que le cycle ait repris. Fa n'est pas ressorti, contrairement à ces machines tueuses. Des machines y sont fabriquées, comme un creuset ? On dirait bien. Mais ces machines, et leurs allées et venues, elles semblent être différentes. Tu as dit être une chante sépulcre. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui est vivant est amené à mourir un jour. Ma tâche est d'adoucir ce passage. J'apporte mon réconfort et je chante le renouveau que la mort rend possible. Mais je ne pensais pas devoir chanter pour un dieu de la terre. Je ne sais même pas si Raymond entend. Ce que tu as fait semble l'avoir plus apaisé. C'est pas de ta faute, Zo. Sans le troisième œil, t'aurais pas vraiment pu faire grand-chose. Je vais devoir entrer dans cette grotte. Quoi ? Personne n'a le droit. Il va falloir faire une exception. Elle appartient au dieu de la terre. Écoute, Zo. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes dans le monde entier. Les tempêtes, le dysfonctionnement. Peut-être même tes dieux de la terre cassés. Mais qu'est-ce qui pourrait faire tout ça ? Un esprit ? Quelque chose comme ça. Je pourrais retourner à Mélopée, rassembler le cœur, leur dire que tu as apaisé Ré et demander leur permission pour entrer. Bien. Alors j'y vais. Il lui faut du repos. C'est à elle qu'il faut dire ça. Ça va, ça va. Rassembler le cœur prendra du temps. Repose-toi. Puis rejoins-moi. Bon. Du repos. D'accord. Elle n'a pas besoin de toi pour se remettre. Tu peux m'accompagner à Mélopée. Joins ta voix à la mienne pour tenter de convaincre le cœur. Ça pourrait nous aider. J'aimerais bien, mais... Elle risque de... s'enfuir. Vraiment. Très bien. Au revoir. Zo, attends. Ce n'est pas que je... Je veux pas venir avec toi, c'est... C'est juste que... C'est ça que tu essayais de me dire ? Oui. Alors j'ai hâte de reprendre cette discussion. Oui, moi aussi. Tu es censé te reposer ? Varl. Va avec elle. Je m'en sortirai mieux toute seule. Tu tentes de m'écarter pour... Non. Pas cette fois. Je te rejoindrai à Mélopée quand je serai prête. Tu es sûre de toi ? Oui. Pars. Allez, va-t'en. D'accord. Zo, attends. Qui sont-ils ?
va mieux. Bon, Ray. Il a l'air docile. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu as un problème avec moi ? Le problème, c'est les étrangers. T'es la deuxième que je vois aujourd'hui. Ne t'attarde pas trop, la terre s'en portera mieux. Ici, on n'a pas de place pour les mauvaises herbes. Je pensais que soulager la douleur de votre dieu de la terre m'aurait valu un meilleur accueil, mais... Ray va mourir de toute façon, comme chacun d'entre nous. Pendant ce temps, les étrangers viennent pour piller le peu qu'il nous reste. Comme cette chasseuse Karja que j'ai vue plus tôt, qui était habillée en oiseau et qui traînait une fille Outaru comme si c'était son esclave. Elle l'a appelée Grive. Je connaissais pas ce mot. C'est sûrement une vieille insulte Karja. Quoi ? Une chasseuse Karja et une Grive Outaru ? Hé, tu crois que je parle toute seule ? Oui ! Je les ai vues aujourd'hui, vers le sud-ouest. Elles courent à leur perte. Il n'y a pas de perce-fruits là-bas. Il y a trop de machines. Pauvre fille Outaru, quel que soit son nom, que ses graines trouvent sol fertile. Ce n'était pas ton intention, mais tu m'aides peut-être à retrouver une amie. Merci. Garde-le, ton merci. J'en veux pas. Prudence, éclair. La nielle rouge s'échauffe. Commerçons entre chasseuses. Mieux vaut contourner les champs. Je dois retrouver Varleso à Mélopée. Demander au cœur si on peut entrer dans leur grotte sacrée. Gisement de lune verte.